contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai. Donc là, il y a un haul de chez Jiffy et quelques bricoles que j'ai pris à Folie Cosmétique. Voilà. Alors, Jiffy, on y a été parce qu'à la base, c'est hier soir, je m'en suis rappelé, que j'avais un bon de 11,71 € à dépenser jusqu'à demain. Et puis mon mari, il m'a dit, bon, eh ben, on ira, tout ça. Donc, du coup, on y a été. Donc, alors, j'ai pris le trio Mino, ce jeu-là, parce que je me rappelle, ma tante, quand elle venait en vacances, elle l'emmenait souvent, le jeu. Et les enfants, ils adorent ce jeu-là, et moi avec. C'est un peu comme le domino, et franchement, donc, je l'ai trouvé à moins de 20 €. Et je pensais pas que j'allais trouver ça à Jiffy, hein. J'étais loin de m'imaginer qu'à Jiffy, il y avait ça. Donc, j'ai trouvé, donc, du coup, j'ai pris ça. Et la prochaine fois, par contre, j'ai demandé à mon fils, je lui ai dit, mais au fait, on a des dominos ou pas? Il m'a dit non. Mais je... par précaution, il faudra que je demande à ma fille, parce qu'elle, elle se meut. Parce que je suis persuadée qu'on avait des dominos. Mais bon, si elle me dit qu'on n'en a pas, j'en achèterai. Mais je pense que je les avais achetés aussi à Jiffy. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, en plus, c'est sympa et tout. Ça fait passer l'après-midi tranquille avec les enfants. Donc, voilà. Après, j'ai trouvé des petites décos pour le sapin que j'ai trouvé jolies. Je suis redescendue dans mon enfance. Donc, là, j'ai pris des décos de Disney. Donc, là, c'est j'ai pris le Roi Lion. Voilà. C'est Pumba, je crois, qui s'appelle. Si tu le mets comme ça. Mais très joli. Donc ça, ça va aller dans mon sapin. Ouais, c'est mignon, ouais. Après, j'avais le choix entre... Alors, j'ai pris Stitch. J'adore Stitch. Alors, par contre, il y avait sinon le Stitch en relief avec des clochettes. Et mon fils, il m'a dit, non, maman, prends plutôt ça parce qu'avec les clochettes... C'est sûr que Boubou, il va te le croquer. Hein. Donc, du coup, et puis même, je préférais celui-ci. Aloha, donc Christmas. Donc, j'adore Stitch. Il y avait, mais il n'y avait pas Bambi. J'aurais aimé Bambi. Mais peut-être que l'année prochaine, si je trouve Bambi, ça, c'est sûr que je vais me le prendre. J'ai envie de me faire des boules de Disney. Moi, je redeviens enfant. Hein. C'est comme je voulais Pluto. Il n'y en avait pas de Pluto. Mais par contre, j'ai trouvé Mickey et Minnie. Donc, je me suis pris la boule rouge de Mickey et Minnie qui se font des bisous. Voilà. Donc, ça, ça, c'est sympa. Et celui-ci en noir. J'ai trouvé que ça ressortait bien avec le rouge. Donc, voilà. C'est, en fin de compte, c'est la même boule, sauf que c'est pas la même couleur. Mais j'ai trouvé super joli. Il y avait d'autres choix. Mais j'ai dit l'année prochaine, si jamais je retrouve des trucs comme ça de Disney, je vais me faire. Je vais m'en acheter des décos de. Il y avait Belle, mais moi je suis pas très princesse. Hein, jamais déjà. Disney, c'est pas. Tout ça, il y avait que. Moi, c'est que Mickey. Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Bambi, Dumbo. Dumbo, il n'y avait pas. Sinon, j'aurais pris aussi Dumbo. Roi Lion, les Aristochats. Mais je crois qu'il y en avait un Aristochat, je crois. Mais si j'ai pas pris, c'est que ça me plaisait pas. Donc, faut que ça me plaise aussi. Hein. Ah ? La batterie. Ah. Donc, voilà. Donc, au niveau de Jiffy, ça s'est fait. Après, donc, à Folie Cosmétique. Alors là, je crois que j'allais gueuler auprès de la vendeuse. Pas du tout, mais alors pas du tout vendeur de ce magasin. Donc, j'y suis allée pour deux choses. C'est deux pinceaux. Donc, j'ai pris un flout-flout. Alors, elle a rigolé, celle qui m'a conseillé. Elle a rigolé quand j'ai dit... j'ai par contre le pinceau, je vais vous dire un nom, mais je sais pas, ça n'existe peut-être pas. Hein. J'ai dit, moi, j'appelle ça un flout-flout. Elle m'a dit, oui, ben, je vois de quoi vous parlez. Donc, du coup, voilà. Et, voilà. Et, quoi ? Rien. Ah. Et là, c'est le pinceau pour estomper et poser la matière. Alors, attendez. Parce qu'à force de m'en servir, il commence à être usé. J'ai vu ça quand je les ai lavés. Donc là, voilà.
Ça me paraît pas un pinceau. Enfin, on verra ce que ça fera. De toute façon, elle m'a dit, pour tout ce qui est fard irisé, elle m'a dit le mieux, c'est de l'appliquer au doigt. Elle m'a dit, c'est sûr, pour mettre la matière. Je te l'enlève, ce truc-là, que t'as parlé. Après, donc, j'ai pris aussi deux palettes. Alors, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour ma fille, parce que je sais qu'il y a des couleurs dedans qu'elle va kiffer. Là, elle n'est pas là, donc malheureusement, je ne peux pas lui montrer. Mais quand elle va rentrer, je vais lui montrer. Si elle rentre, hein, parce que je ne sais pas. Vu le peuple qu'il y a dehors, c'est bon, là. Donc, voilà. Ah. On va y arriver. Hein. Voilà. J'ai kiffé les couleurs. Donc, et je sais qu'il y a certaines couleurs que ma fille elle va adorer. Surtout le bleu. Et après, j'en ai pris une autre. C'est des couleurs comme j'aime moi. Donc, l'autre, je vais lui donner. Alors, elle m'a dit, hein, elle m'a dit, la vendeuse, si vous pouvez mettre ce que vous voulez sur vos yeux. En plus, vous avez les yeux marrons. Donc, elle a dit, c'est l'idéal. Ouais, si vous pouvez aussi vous permettre toutes les couleurs que vous voulez. Parce qu'elle est aussi vendeuse que la caissière. Et elle m'a dit, par contre, bon, elle m'a dit, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus en mettre une tonne, mais vous pouvez vous amuser et vous éclater. Donc là, c'est les couleurs nude. Ouh, le couvercle est cassé. Bon, tant pis, je l'ai abîmé un peu. Et le couvercle est cassé. Je l'ai abîmé un peu, en enlevant le truc. Mais maintenant, ça ferme. Mais il y en a un autre là, putain, mais ils en mettaient partout, ces détecteurs, là, con. J'ai pas vu qu'il y avait la palette, elle est cassée, là. Enfin, au niveau du couvercle, là. Mais sinon, J'adore. Le rose, bon, on le voit pas trop. Alors, on va prendre l'autre. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc là. Donc voilà. Donc j'ai pris ces deux palettes et je me suis pris aussi un rouge à lèvres. Bon, vous allez me dire. T'en as plein, t'as pas ce qu'il te faut. Ben non. Et ben non, parce que je voulais du rose pailleté nacré. Et pour voir si ça allait pas faire tache sur moi. Oh bah dis donc. Ah ouais, j'en ai chié pour enlever l'automatique. Continue à faire ta vidéo parce que la Béatrice tout à l'heure va s'arrêter, t'auras tout compris. Donc, du coup, j'ai demandé si elle avait pas du rose nacré et tout ça. Alors elle m'a dit oui, alors elle m'a dit j'en ai deux, dont un clair et un foncé. Ils ont fait le tour, c'est quoi ? Et elle m'a conseillé pour moi un peu plus foncé. Elle m'a dit c'est pas que ça va pas vous. Et quand elle m'a fait voir sur sa main, j'ai dit oui, effectivement, on va plutôt partir sur un peu plus foncé parce que. Donc, voilà. Ah ouais, on va mieux quand je mets la main comme ça. Voilà. Et. Il n'est pas vraiment irisé, hein. Il fait pas nacré comme. Bon, enfin, déjà, il est rose. Donc, on va essayer. Je vais essayer ça. Et puis, mais je pense que celui-là, ouais, il ira mieux. Parce qu'il y en avait un, mais beaucoup plus clair. Et je pense que ça ne serait pas fait joli. Non. Donc, voilà les petits achats du jour. C'est déjà pas mal. J'en ai eu quand même pour 40 €, hein, juste pour du maquillage, et ça monte vite. Hein. Folie Cosmétique, c'est plus aussi moins cher que dans les autres magasins. Donc j'étais choquée. Hein. Par contre, il y avait du rouge à lèvres, mais ça après je l'ai vu qu'après L'Oréal en bout de caisse à 3 € et quelques. Mais alors les vendeuses en caisse, à moins énervée. Mais je suis sortie là-dedans, j'ai dit plus jamais, non. Là, j'ai dit, c'est bon, j'y retourne plus chez eux. La femme, je lui demande de m'enlever l'antivol. Et en plus, comme c'était la palette qui avait en expo, ouais, elle aurait pu me faire un prix et m'enlever l'antivol. Ah ben non, même pas. Eh ben, j'ai dit, toi, ma garce, c'est la dernière fois que tu me vois. Je préfère, franchement, c'est pas pour dire, mais Kiko, ils sont vachement mieux. Plus commerçant, mon mari, il a été avec moi, il peut vous le dire. Cosmétiques, ils sont, c'est
ça a évité. Voilà. Mais par contre, ils sont au centre, à Saint-André-de-Cuzac, au nouveau centre. Ils et t'as vu qu'à Kiko, on est... Le magasin, il est grand, hein, mais alors, si les femmes qui s'occupent de toi là-dedans, elles sont bien. Non, mais c'est à la caisse. C'est la caisse qui sont grands. Sinon, les femmes qui s'occupent de t'aider, là, sont gentilles. Mais t'as bien vu qu'à Kiko, quand même, la femme, Kiko, elle était toute seule. Il y avait du monde, mais elle a pris le temps de s'occuper de moi. Voilà. Elle a pas dit, oui, ben vite avec le... Non, elle a pris le temps de A à Z à s'occuper de moi. Elle m'a encaissé et tout. Non, impeccable. Faut leur faire de la pub, ça, c'est intéressant. Ah oui. À la zone, c'est dans le Cubzac. Mais alors, Folico, ils sont très bien. C'est fini. Non, ils sont nuls. C'est pour ça que je te dis oui, ils sont très bien. Façon de parler, ils sont très bien. Allez-y, bien. Allez-y, hein. Vous allez voir. Donc voilà. Donc voilà. Quand je ne suis pas contente de quelque chose, ça, vous allez le savoir de suite. Quand je suis contente, tout va bien et tout. Voilà, ma fille, je ne sais pas si elle rentre. Quand c'est bien, on le conseille. Quand c'est pas bien, on le conseille aussi. Oui, bah oui. Parce on le dit surtout. Après, vous pouvez y aller par vous-même, hein, voir. Mais par contre, quand je suis contente de quelque chose et tout. Là, je leur fais du compliment. Je leur dis que je suis très contente et tout. Enfin, franchement. Mais alors là, je suis sortie en colère. Hein, la vendeuse impeccable. Par contre, celle qui m'a conseillé impeccable. Mais alors, en caisse, une horreur. Ah, puis son autre collègue, ça devait être sa chef. Aussi con. Déjà, à ma moitié jetée parce que j'étais là devant. T'avais pas demandé quand elle a dit, il faut demander aux gens qui donnent la pointe. Voilà. Et alors, attends. Et donc ça devait être sa chef. Nous on est clients et eux c'est des esclaves. Voilà. Ils font ce qu'on dit, c'est tout. Aussi con, donc après, on n'y peut rien, mais de toute façon, ils vont pas avoir beaucoup de monde. J'avais envie de foutre le bazar, mais non, j'ai pas voulu. Parce que là, je te fous un bazar. Non mais de toute façon, là, c'est la première c'est la dernière fois que je n'y retourne plus dans ce magasin. C'est non. Et c'est cher et en plus c'est pas sympa. Alors là. Qu'à Kiko, franchement, peut-être que ça coûte un peu plus cher les pinceaux ou autres, mais au moins ils savent s'occuper de nous. Donc voilà. Mais bon. Mais en tout cas. Sur ce, la batterie va s'arrêter. Voilà, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Ouais, et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de l'année. Bisous. Bye.